Lundi 30, osée 7, 8 et 9. Semblable à un gâteau qui n'a pas été retourné. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas.